C'est parce que j'ai vu que je ne crois pas. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Un haut personnage d'Oxford, bon, honnête, mais incroyant, était marié à une catholique, sainte femme. Petit à petit, elle lui parle des vérités de notre religion. Elle le conduit à Rome, chez les jésuites. Après 2 ans d'études et de lectures, elle le croit assez instruit. Lors d'une journée eucharistique, elle lui demande de l'accompagner. Il accepte. Depuis 4 heures du matin jusqu'à 10 heures du soir, ils vont d'église à église. Au retour, sa femme lui dit « Maintenant que tu as vu, tu es catholique, n'est-ce pas ?»« Les théories des livres sont très belles, » répondit-il, « mais la pratique n'est pas si belle. On dit que le Christ est là et on le traite ainsi ?»« Je ne crois pas. » Et c'est parce que j'ai vu que je ne crois pas. Cette histoire, rapportée par le père Matteo dans la plaquette de la médiocrité à la sainteté, l'appel du Sacré-Cœur, nous aide, chers fidèles, à régulièrement faire porter notre examen de conscience sur notre tenue en présence du très saint sacrement. Est-elle objet de scandale ou d'édification ? Un prêtre de la fraternité, de passage au couvent il y a quelques années, nous avait fait part de sa grande édification en vous voyant, chers fidèles, rester un certain temps après la fin de la messe, faire action de grâce. Quelle consolation pour notre Seigneur de voir le peuple qu'il s'est acquis au prix de son sang rester lui tenir compagnie et lui rendre grâce, plutôt que de s'enfuir tout de suite après l'ite missa est. Oui, c'est votre foi en la présence du Christ dans vos âmes qui vous fait rester quelques instants après la fin de la messe. C'est elle aussi qui doit inspirer toute votre tenue à l'Église. Mais l'habitude engendrant la routine, et la routine le laisser aller, il est bon de s'examiner pour se reprendre de temps à autre. Commençons par le commencement. Eh bien justement, il faut être là au commencement de la messe, être à l'heure. On voit mal la Sainte Vierge arriver en retard au calvaire. Puis il s'agit de prendre place pour assister à la messe. Ah certes, il est écrit dans le Saint Évangile qu'il y avait là, c'est-à-dire au calvaire, plusieurs femmes qui regardaient de loin. Mais, mes chers frères, il n'y a plus de soldats romains pour vous barrer le passage. Et les places les plus près de la croix, de l'autel, sont toujours les places des privilégiés de notre Seigneur. Donc, approchez, n'hésitez pas. Il y a des bancs qui sont toujours réservés pour les enfants devant. Et pensez aussi, quand vous arrivez, à bien vous mettre près du mur pour laisser les places libres facilement disponibles. La messe commence donc, et notre mère, la Sainte Église, dans son attention éducatrice, a voulu prescrire des attitudes pour nous aider à suivre la messe et à nous unir au sacrifice. À genoux, debout, assis. Je ne sache pas qu'elle est prescrite d'être avachie. Donc tenons-nous droits, les pieds bien posés sur le sol et non sur les agenouilloirs, qui sont, comme son nom l'indique, pour les genoux et non pas pour les pieds. La messe est commencée. Le drame du calvaire est commencé. Après avoir copieusement injurié le Christ, les Juifs se sont éloignés et les soldats romains se taisent. Dans le silence qui s'instaure, Jésus, souverain grand prêtre, offre son sacrifice goutte à goutte. Il prie et il agonise. Vous comprenez bien, chers fidèles, à quel point il serait malséant qu'une sonnerie de portable retentisse à ce moment précis. Tout le monde se fait une gloire d'affirmer haut et fort qu'il n'est pas l'esclave de ce petit objet. Fort bien, rendons grâce à Dieu. Mais pourquoi, dans ce cas, ne pas le laisser à la maison ? Après tout, lui aussi a droit à son repos dominical. Je ne vous ferai pas l'injure, chers fidèles, d'aborder la question des textos écrits et envoyés pendant la messe.
Rien qu'à cette pensée, le mot de sacrilège vient à l'esprit. Abordons maintenant, si vous le voulez bien, une autre recommandation que nous vous faisons souvent, celle de respecter au maximum le silence pendant la messe, ou pour être plus précis, de le faire respecter aux plus jeunes. Ah certes, ce petit peuple a une façon bien à lui de s'unir au Saint-Sacrifice, et qui ne déplaît pas forcément à Jésus, mais il faut penser aux autres. Et cela est vrai d'ailleurs dans les deux sens, dans les deux cas, que ceux qui sont gênés par ce bruit pensent d'abord que le bon Dieu n'a pas permis que les bras des parents se multiplient à proportion des naissances. Les parents ne gardent que deux bras. Et donc qu'ils sachent éventuellement proposer leur aide pour aider, par exemple, les plus grands des enfants à suivre pendant que les parents s'occuperont ou sortiront les plus jeunes. Comprenons aussi que bien souvent, les mamans vivent dans le bruit et cette habitude s'instaurant, elles ne s'en rendent plus compte. C'est plutôt le silence qui va les inquiéter. Donc, sachons nous prévenir avec charité entre nous et sans obligatoirement passer par le prêtre. Et vous, chers parents, rappelez-vous cette phrase de l'Évangile « Laissez venir à moi les petits-enfants ». Il serait dommage de priver notre bon maître d'une partie de sa joie et votre enfant d'une partie de grâce pour n'avoir pas pris la précaution de les amener satisfaire certains besoins naturels avant la messe. Passons à présent à un sujet qui fâche, la tenue vestimentaire. Que penseriez-vous de quelqu'un qui se présenterait pour jouer au tennis en tenue d'équitation ? Ou encore, qui irait en basket et en t-shirt à une grande réception. Ces exemples montrent bien qu'il existe des tenues appropriées aux lieux et aux circonstances. Et quoi de surprenant qu'un portier refuse l'entrée du palais de son maître si l'étiquette n'est pas respectée par les invités. Il ne fait que son devoir. Chers fidèles, les prêtres sont portiers du Christ. C'est même un ordre mineur. Et l'étiquette qui règle le cérémonial du palais du grand roi nous est imposée tout comme à vous. Il ne nous est pas loisible de le modifier à notre guise, et malheur au prêtre qui ne ferait pas son devoir de portier. Or donc, voici ce qui est demandé par votre Créateur et Sauveur. À tout Seigneur, tout honneur, commençons par les messieurs. Il y a quelque temps, c'était de bon goût d'arriver au travail avec un certain négligé. On déconseillait même la cravate pour les entretiens d'embauche. Je ne sais ce qu'il en est actuellement, mais pour ce qui est de la messe et de la maison de Dieu, les habits du dimanche gardent toute leur actualité. Par exemple, il faut avoir des chaussures cirées, les baskets sont à proscrire, nous ne sommes pas dans une cour de tennis. Avoir un pantalon, et non pas un vulgaire jean, une chemise, et non pas un polo ou un t-shirt, avec la cravate ou le nœud papillon, ou alors un foulard, et enfin la veste. Ce n'est qu'un exemple. Pendant des siècles, les belles tenues variaient d'un pays à l'autre. Peu importe, l'essentiel, c'est d'honorer notre Seigneur. Passons maintenant aux dames et aux jeunes filles. Et vous, très sainte Mère de Dieu, aidez votre prêtre indigne à dire ce qu'il faut dire avec douceur pour instruire sans blesser. Les prescriptions de l'étiquette vous concernant, chères sœurs en Jésus, inutile de vous les rappeler, vous les connaissez bien, car elles vous sont rappelées régulièrement du haut de cette chaire. Et, il faut rendre à César ce qui est à César, de gros efforts ont déjà été faits, notamment pour avoir la tête couverte. De la part de l'Immaculée, merci. Permettrez-vous cependant une question ? Voyez-vous la Vierge Marie tirant sur sa jupe afin de la rendre plus longue, chemin faisant, pour être acceptée par Saint Jean au pied de la croix ? Jésus, lui, ne s'est pas fait torturer à moitié pour nous sauver. Mais ici, il faut prendre en considération une objection qui nous est souvent formulée. Dieu n'oblige pas à s'habiller avec de vieux chiffons.
Il faut plaire à nos maris ou à nos futurs maris. Et les beaux vêtements décents deviennent introuvables ou hors de prix. Soit, sans doute. Et même, j'aurais envie de dire que, à vue humaine, cela ne va pas s'arranger dans les années à venir. Faut-il donc en prendre son parti et ne faire qu'en pleurer? Et dans 15 ans, viendrez-vous à la sainte table en vous lamentant peut-être, mais en mini-jupe, puisqu'il n'y aura plus que ça? Face à un problème, ce n'est pas tout que d'en prendre la mesure. Encore faut-il y faire face pour le résoudre. À vous de vous organiser pour charmer le cœur de vos maris, tout en restant décente et sans pour autant le ruiner. Certaines d'entre vous, d'ailleurs, ont déjà commencé à s'organiser. N'hésitez pas à en parler entre vous. Un petit texte a été affiché sous le portique qui aborde ce sujet difficile sous un autre angle. Il parlera peut-être plus à certains d'entre vous. En guise de conclusion, et pour illustrer l'importance et la gravité du sujet traité, voyons dans l'Ancien Testament comment fut traité un personnage important qui manqua de respect au temple du Dieu Très-Haut. C'était au IIe siècle avant Jésus-Christ. Le peuple juif était alors sous la domination de la Syrie. Le roi de Syrie, Séleucus Philopator, manquant d'argent pour ses conquêtes, envoya son premier ministre Héliodore à Jérusalem pour y prendre tout l'argent et tous les vases sacrés afin de les lui apporter. Héliodore arrive donc, se présente devant le temple, fait appeler le grand prêtre Onias et vient lui signaler qu'il vient prendre tout le mobilier sacré en or, en argent, en airain, ainsi que tout l'argent pour l'année à son maître. Onias a beau lui expliquer que tout ce mobilier est consacré, et surtout, il a beau lui expliquer que, de par la volonté même de Dieu, un païen ne peut pas rentrer dans le saint ni dans le saint des saints, que cela est réservé à une certaine portion du peuple choisi, qui pour cela doit faire des ablutions et revêtir des vêtements spéciaux, Héliodore ne veut rien entendre. Il repousse Onias et pénètre dans le saint. À ce moment, un cavalier venu du ciel le précipite par terre, tandis que deux jeunes gens, des anges, avec des fouets, se chargent de punir l'insolent. Ils n'y vont pas de main morte, à tel point que Onias est obligé d'offrir un sacrifice expiatoire pour empêcher que Héliodore meure. Puis, ils vont l'aider à se relever, ils le soignent un peu pour éviter qu'il ne meure de ses coups et ils le renvoient à son maître. Voici que, comme Onias, nous vous avons prévenu, chers fidèles. Nous espérons et nous prions pour que votre ange n'ait jamais d'autre mission que d'être votre gardien et non le juste vengeur de la majesté outragée de Dieu. Et vous, très sainte Mère de Dieu, qui êtes montée hier prendre place à la droite de votre Fils, daignez élever nos regards et nos cœurs vers ce ciel de toute beauté et faire resplendir sur nos âmes un éclat de votre pureté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.